Ben, mesdames et messieurs, bonjour, c'est Bulldozer qui vous parle. Et voilà, aujourd'hui, voilà, c'est Saints Row, voilà, le fameux Saints Row 3 qu'on m'a offert là, il y a quelques temps là. Merci d'ailleurs à The Shooter pour l'avoir offert gracieusement. Un jeu que j'ai beaucoup regardé en vidéo et qui m'a beaucoup plu, parce que j'adore vraiment l'ambiance déjantée et tout, et ça correspond vraiment à mon tempérament peut-être, voilà. Donc je suis chez moi, mon QG de mon gang en fait, hein, c'est un gang de mafieux, hein, plus ou moins. Donc dans ce jeu qui est un GTA-like. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu. On va voir. On va personnaliser d'abord un peu son personnage pour commencer. Alors, juste je regarde l'heure qu'il est parce que j'y pense jamais évidemment. Alors, j'ai un peu personnalisé la tête, mais rien vraiment de génial. Ah, on a des chapeaux de TF2, c'est génial. C'est pas marrant, je trouve. On va prendre des lunettes, tiens. Non, elles sont moches. Alors, est-ce que. Tenue. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai rien. J'ai rien de spécial. J'ai une tenue de femme et j'avais pas compris que c'était un truc de femme au départ, donc je l'avais acheté. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? Ok, pas grand-chose. Bon, on va aller à ma voiture. Attends. Mon garage. Ouais, j'ai mis des jolies filles. Alors, véhicule. On va aller direct à mon garage. Allez hop. Pas que ça à foutre, messieurs, dames. Je trouve tout le temps les touches, j'y jouais 2 heures, hein, donc j'ai fait un petit peu le début des missions, quoi, de la campagne. Mais je connais pas grand chose. Je suis plutôt mauvais pour l'instant d'ailleurs. Hop, alors j'aurais dit au garage, moi, il est là. Alors, j'ai quasiment rien. J'ai pris des voitures que j'avais trouvées jolies, donc voilà, c'est tout. Et voilà. Écoute, on va prendre. J'en ai deux Raycaster, on va prendre. C'est les mêmes? Non, on va prendre celle-là. Attends, on va personnaliser d'abord, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais encore fait, hein. Performance. Nitro, il paraît que c'est bien. Attends, je vois. Couple. Plus d'accélération, ok. Crevaison. Ça, c'est marrant, ça. Accepté. J'ai un peu d'argent. Nitro. Tiens, on va prendre. Ouais. Déjà, je crois. Ah, intéressant ça. Je prends. Carrosserie. Alors. Sortie d'échappement, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Non, ouais. Ça change pas grand-chose. Alors, pare-choc avant. Ouh, celui-là, il est métal. Alors. Bon, non, ça change pas grand-chose. Phare. Ouais, ça c'est pas mal. Parce qu'elle est déjà un peu customisée cette voiture, donc je vais pas changer grand chose non plus. Alors comme ça elle est plus classe. Bon, ça sert à rien. Celui-là il est bien. Attends, juste j'ai oublié les dégâts. Ils sont où? Je vois pas. Tant pis. Alors couleur tatatata. Oh yeah! Oh yeah! Couleur garniture. Non. Si, voilà. Peinture 2. Métal. Oh, celle-là, c'est bien ça. Couleur jante. Nickel. Noir. non, bon, ça on s'en fout. Néon, tiens, un néon. Non, c'est nul. Voilà. Reprendre le jeu. Accepter. Et je suis dans ma caisse. Vous avez vu ça? Elle est pas belle. Alors, on va aller faire quelques missions à la con là. Quand même. Allez, est magnifique cette caisse. Allez, les petits trucs là qui. Regarde. Comme dans le James Bond. Je fais des dégâts aux voitures. Ah, j'ai déjà perdu. Ah non. Attends, on va voir si ça marche. Ah ouais, ça marche. J'ai plus quel James Bond, c'est comme ça qu'il aborde une James Bond girl, le copain de James.
Alors, où est-ce que je vais pouvoir faire une petite mission là? On va regarder le portable. Est-ce qu'on fait la mission ou pas? Qu'est-ce qu'il y a à proximité? Je suis où? Je suis là. Une armurerie. Chirurgie esthétique. Il y a des trucs à acheter. Je suis pas encore allé par là. Donc c'est la première fois que j'y vais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une activité. Bon, on va aller là, au pif. Voilà. On sait pas ce que ça va être. Ça se trouve que ça va être de la merde. En plus, je suis vraiment mauvais, donc ça va être la honte. Allez, c'est parti là dans ma caisse de Mac. Ouais, j'ai du mal à conduire parce que je suis. Alors, je suis bien au clavier évidemment. Hein. Je joue pas avec une manette ou quoi que ce soit. Hein. S'il vous plaît, je suis un vrai de vrai. Toujours avec mon PC et puis je suis content parce que j'arrive à faire tourner le jeu correctement. Il n'y a pas de lag comme dans GTA 4. Je vais garer ma caisse parce que j'ai pas envie de la perdre. Fraude à l'assurance. Tiens, mais j'ai jamais fait encore. J'ai entendu parler. Allez, c'est parti. Ok. Ah. Ouais, ok, génial. Allez là. Allez là, des voitures qui vont vite, s'il vous plaît. Bon, on va aller par là. Oh, c'est loin, putain. Putain, je suis vraiment mauvais, hein, par contre. Mais ils vont pas vite aussi. Ah, celui-là, il va vite là. Voilà, c'est de la merde. Je suis vraiment mauvais, hein. J'avais vu, heureusement j'ai vu des vidéos, parce que sinon, c'est la première fois que je le fais, là, j'ai pas fait en mission, donc... Moi, je me jette contre les voitures, c'est ridicule. Les poupées du chiffon. Allez, toi, t'as l'air mastoc. Ah, ouh, ouh, bobo. Ouh. Ah, ça fait mal. Heureusement que je fais pas ça en vrai, parce que sinon... Ah! Pff, oh! Explosé par Monster Truck. Ça j'ai pas compris, l'adrénaline. Oh là là, je prends cher. Ouh. Ouais, non, j'ai quasiment fini là. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux le taper? Ah, je suis juste par terre, on gagne de l'argent. Donc c'est assez pratique. Ah, là, le bon camion, je le sens bien là. Oh, je le sens bien. Bon. Ouais, bon, je vais voler quoi. Non mais saute là, c'est ridicule ce que tu fais. Ah bah j'ai gagné. Bon, ça c'est court mais pas génial. Hein. C'est pas facile, je suis handicapé aussi faut dire. J'ai gagné un peu d'argent. Ouais, monnaie. Mon respect est tout bas parce que évidemment je viens de commencer donc... Génial, je gagne des sous. Top. Allez, on va voler une voiture. Attends, j'ai perdu ma caisse. Non. Attends, elle était où la fraude d'assurance? Non, j'avais une super voiture, merde. Je sais plus où j'ai mis. Ça doit être par là, je crois. Attends, vas-y, donne-moi ta moto en passant. On va aller faire la mission après. Oh, j'aime bien cette moto. Je suis mauvais en moto, hein. D'ailleurs, je suis mauvais en tout, clairement. Non, c'est pas là. Bon, bah allez, on va voir. On va faire la mission. Allez, c'est parti. Je vous laisse écouter. Long enough. Now we go for the rent. It won't be easy. That whole tower's got to be crawling with Morningstar. Since when have we done things the easy way? True. So what's the plan? Kill everyone we see and find the rent. Makes sense. Maybe at the penthouse. I'll call Shaundi. Shaundi, it's time. Just tell me where to be. We're meeting at the penthouse. I am gonna kill that son of a bitch. Don't worry. He won't get away this time. You bet your ass he won't. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la mettre au garage. Bon bah tant pis, je peux pas. Génial, super sympa. Bon bah je la reprends alors. Non mais oh. Voilà donc on voit la technique révolutionnaire des Saints. C'est taper dans le tas. Voilà. T'arrives avec ton couteau et ton zizi et tu défonces tout quoi. Moi j'aime bien cette tactique. Hein. J'applique moi-même souvent. Ça marche. Voilà. Alors. Donc c'est une mission principale, hein, je crois, c'est pas une présentation d'activité. That's a little big for you. Give me the goddamn gun, Pierce. Okay. All right, let's give that motherfucker what's coming to him. Pouf, pouf, pouf.
c'est Rocky, les gars. Ah, on dirait Rambo, là, avec la grosse mitrailleuse lourde, là. Ça va chier. Alors, ça a l'air sympa, c'est marrant. J'adore ce jeu, il est complètement décalé, il est vraiment marrant, ça me plaît. Allez. Allez, on démarre, les gens. Ils sont... Ils sont tout ça? C'est bon? Bon, allez, c'est parti. Alors, je connais à peine la ville, j'ai quasiment rien fait. J'ai voulu faire le plus possible avec vous. Comme ça, hein, je fais juste le temps de m'habituer un peu au gameplay, etc. J'ai un peu du mal à conduire aussi, parce que je prends toutes les voitures, évidemment. Regardez, hop. Voilà, voilà, voilà. Oh putain. Donc c'est très violent comme jeu. Voilà, il y a du sexe et du sang et des boyaux et du cerveau. Donc là on va aller taper le syndicat qui est l'ennemi intime, hein, qui remet en doute la légitimité des Saints. Ah, on va foncer là-dedans, je sais pas si je peux détruire, si c'est bon. Attends, pas où faut que j'aille, voilà. J'aime bien la conduite aussi parce que bon, c'est moins réaliste, mais enfin c'est plus sympa à conduire que GTA par exemple. Où, ah tiens, il y a un constat qui est en cours. Parce que bah, les virages sont beaucoup plus faciles à faire que dans GTA. Moi je me souviens, je faisais des embardées terribles. Regardez ça, c'est beaucoup plus facile. Bon, c'est moins réaliste du coup, mais enfin c'est plus pratique à jouer, je veux dire. Oh, bonjour madame, tu es crevée-tu? Allez, c'est parti, on va tuer tout le monde. On va au garage. Bonjour. Allez, on va les écraser. Ah bah il est mort. Allez, on va l'écraser, toi t'es mort. Voilà. 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 J'économise des munitions, moi. Hop. Toi t'es moche, toi. Ah, il va me virer de la voiture, je crois. Parce qu'au bout d'un moment... Oh putain, ça va exploser vite. Fuyons. Courage. Oui. Oh, ils sont morts, là, non? Je crois pas. Oh putain, il y en a plein qui arrivent. On va commencer à sortir pour faire un peu de destruction massive. Merde, j'ai pas... Merde, il y a un sniper, là. Voilà. C'est ça, la grosse arme de ouf? Non. C'était pas? Bon, je suis un peu déçu. J'aime bien ton capuchon, toi. On dirait une racaille. J'ai pas de grenade? Si, je vais en garder parce que j'en ai sûrement besoin plus tard. Où est-ce qu'il est, le monsieur? Voilà. Alors... Genre je suis mort une fois déjà, mais je suis tombé dans un traquenard et j'étais tout seul et 10 millions de gens, voilà, c'était galère. Bon alors pour où il faut que j'aille? Tue la brute. Oh merde, il y a une brute. Alors les brutes c'est des boss en gros, hein. Oh putain. Oui, ce sera un peu d'une brute. Niveau pompe, hein. Voilà, c'est des sortes de trolls, hein. Oh putain, je prends cher là, en train de me faire blesser. Oh putain, oh j'ai pris cher. Brut qui joue au basket avec des bus, voilà. Non, je fuis. Est-ce que je vais faire une prise de catch? Non, 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 merde. Merde, aïe. Voilà. C'est une bouche de zombie, mon pote. Oui, ça fait bobo à l'œil, oui. Voilà. Pah! Tiens, bon appétit. Hop, un petit ananas. Kaboom. Oh, il reste plus grand chose de la tête. C'est mignon. T'es tout mignon sur ta tête. Alors, attends, mais lui, je vais à la main, lui. Oh yeah. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais récupérer des munitions parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent à l'acheter aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? C'est ça? Ah oui, bonjour. Génial, on va ramasser une bombe atomique dans la gueule apparemment. Bon, c'est sympa. Allez, c'est parti. Bonjour. On va arriver par l'ascenseur. Bonjour, on n'était pas invité, mais c'est pas... Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, j'ai peur. Le monsieur est pas content, je crois. Tu vas mourir, saloperie. J'arrive, peut-être tienne. T'as rechargé, là? Non.
Oh putain, bon bah une petite grenade. Non j'ai pas, merde, si. Une petite grenade, vite fait, hop. Voilà. J'ai pas la bonne arme. J'ai du mal encore avec les changements d'armes. Je suis un peu handicapé là-dessus. Ne pas me blâmer s'il vous plaît. Bon c'est une tuerie ce jeu, moi j'adore. C'est exactement le style du jeu que j'aime bien. Ça change un peu des jeux ultra réalistes comme Code. Pardon. Ça c'est skin de sniper et c'est très chiant. Parce qu'ils ont des grosses têtes donc du coup ils ont des têtes solides donc ils sont difficiles à tuer. Alors attends, est-ce que je peux prendre un PC là? Parce que le mien est pas génial. Voilà. Et il leur faut mettre faut leur remettre des balles dans la tête, hein. Faut que j'améliore les armes peut-être. Je peux me dépenser moi. Oh putain, oh j'ai pris cher là, c'est qui m'a mis dans la gueule. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Bon on va continuer hein, rien à foutre des gens, vous avez... mes copains vous avez qu'à les tuer. Attends où est-ce que... il est là. J'ai un peu du mal avec la caméra des fois aussi, oh putain il y a du monde. Il y a du monde. Pourquoi ils mettent pas mes copains aussi? Je suis forever alone. Voilà. Ah ça va, ils sont l'air plus faciles à tuer ceux-là. C'est moins coriace. Oh putain, merde. Oh là là, bobo là. Bon, on va balancer quelques grenades, hein. Tiens, un cadeau. Oh putain, un lance-flamme, rien que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme sans déconner? Ah on va, ouais j'ai compris, il faut tirer sur ce réservoir. Oh putain j'ai chaud! Chaud! Ça sent le cochon grillé comme le dernier. Aïe, aïe, aïe! Vite, faut tirer sur le réservoir. Putain merde, j'ai peur. Ah voilà, c'est bon, j'ai une bonne vue là. Voilà, monsieur t'es mort. Oh oh. Non mais regarde pas vers moi. Voilà. Eh ben j'ai récupéré ta weapon. Incinérateur, voilà, c'est poétique. Et on va courir avec. Un challenge. Il y en a qui courent avec des arbres, moi je cours avec un incinérateur. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ce laboratoire. Je suis peut-être un peu loin là. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud le défi. Ouais. C'est normal, je suis là. Et voilà, alors, que va-t-il se passer? Des belles fesses. Oh. Mon dieu. Salut. Philip likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Quel bel homme. Still strung up, but they already cloned your ass. The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. Il est aussi musclé que moi, hein, c'est la chance. Time a big naked dude said he could help me, it did not end well. What could he do anyway? Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me, I'm still strong enough to kill Philippe. T'as des yeux bizarres, monsieur. T'es tout nu. Un gros tout nu. You want some clothes, man? Tu dois mettre un slip quand même. Hein. Bon, apparemment le monsieur a eu des expériences peu recommandables, n'est-ce pas? Mais cela ne nous regarde pas. Allez, on va faire cette mission là, on va la finir tranquille. On va tuer tout le monde. On va encore appeler l'ascenseur parce qu'on arrive gentiment nous. On monte pas, on n'arrive pas en parachute quand même, non? On est bien élevé. Alors. Bon bah voilà, c'est un ami ça? Non c'est des employés certainement. C'est par là? Non c'est pas, si c'est par là on va essayer. Non, pour ouvrir la porte. C'est dans l'autre sens. Il est où le gros tout nu? Copain. Ah il est là. Il s'appelle Oleg, on se demande pourquoi. Je crois qu'il est russe.
J'ai du mal à courir parce que j'ai pas beaucoup d'amélioration, j'aurais dû. Merde, il m'attend pas. Par contre, il court au ralenti, le monsieur. Si tu prenais mon arme, ce serait une bonne idée. Parce que moi, je te regarderais de loin parce que j'ai peur. Il m'attend là, le. Ouais. Franchement, tu devrais mettre un slip. Hein, parce que. Oula. Allez, il court au ralenti, c'est pas un fake. Là, je le pousse parce que. Voilà. J'ai les mains dans les fesses, évidemment, du coup. C'est n'importe quoi. J'aime bien cette weapon, hein. J'aime bien le gros truc. On a souvent une brute, elle a une grosse brute comme ça à taper, et dès qu'on la tue, on a récupéré un gros truc, c'est énorme. Et merde. Alors Lorraine, c'est le gros méchant pas beau. Je fasse là. Je vais devoir tuer tout le monde qui va passer certainement. Oh putain, je suis pas rendu moi. Qu'est-ce que je fous là sans déconner? Bon, je suppose que je dois tuer ceux qui sont en bas. Les héros, donc du coup. J'ai un peu handicapé hein, ces jours-ci, me demandez pas pourquoi. Hein. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai fait du parachutisme, peut-être. C'est une brute méchante, ça, je crois. Ah, bobo. Alors, je crois qu'il va se prendre un truc sur la gueule, lui. Pris sur la gueule ou à côté? À côté, je crois. Bon, j'ai niqué son lustre. Argent permanent, respect par la main. Non, j'explose le bâtiment. Mais. Comment ça se passe? S'il vous plaît, je voudrais m'enfuir. Comment ça se passe? Ah voilà. Alors il y avait un choix à faire là comme dans GTA, vous savez, il y a des choix à faire. Moi j'ai choisi de tout exploser puisque voilà. Je suis extrémiste peut-être. Voilà, ça donne une bombe atomique. Oh c'est pas pour. J'ai mis qualité graphique moyenne aussi. Hein, faut dire. Voilà. Parce que le méchant est belge. Ce sont les choses qui arrivent, nul n'est parfait, n'est-ce pas? Et j'ai gagné beaucoup de sous. Oula. Je suis respecté. Ok. Oleg. Donc j'ai la grosse brute qui va m'aider. Génial, bon alors cette belle mission, maintenant on va faire un petit truc annexe, hein, une petite quête. Ah, je sais, voilà, génial. Je vais faire une petite quête. Petite quête annexe. Ah non, mais ça continue tout seul. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege. Il y a le gros dans sa poussette. la bonnesse. Je crois que c'est en train de dégringoler un pont. Mal. Je me fais courser par des gros et des moins gros. Tout vert. Non, c'est pas des aliens. C'est des catcheurs apparemment. Pas une chair, hein. C'est moi dedans? Non. Rassurez-moi. Non. Qu'est-ce qui. Oh. Coucou. Ah! Ah, d'accord, oui. Boum. Problème. Ah non, mais rigole pas, les mecs. D'accord, ouais. Bon, bah, c'est génial. Ah, elle est bien lui dans sa poussette. Oh putain. Chaud. Je crois qu'on va se faire atomiser là.
J'ai peur. Bah là on s'est fait atomiser là pour le coup. Oh là 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 là, catastrophe là. Whoever this crew is, they flow pretty damn good. They'll kill Ben's thugs. Kill who? He's the syndicate's a tech dog. What he did to Johnny's funeral, that's over the fucking limit. He doesn't care about rules of engagement. No rules? I could work with that. You're not ready to fight the syndicate. Watch us. Let's relax, Sean D. All right, big man, what do you got? There are others who hate the syndicate as much as you do. Bon, we'll take c'est des blabla à la con. Can you believe this? On my husband's bridge! Tu veux pas te prendre le ciseau, la grosse? Non, c'est le bordel. C'est la guerre. C'est pas ma guerre. Citation pleine de poésie. Alors, bon bah c'est voilà, c'est le bordel. Je préfère une petite mission à la con, s'il vous plaît. Non. Bon, d'accord. On va faire du bateau, ça vous dit? Alors, j'ai jamais fait encore du bateau non plus, donc voilà, je fais tout avec vous. Est-ce que je peux faire des... Non, je peux pas, comme dans GTA, je peux pas... Je peux pas lever le bateau, faire des roues arrière quelque part. Des hélices arrière. Des hélices arrière, mon dieu. C'est nul. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pas compris. Ah, on tire dessus. Est-ce qu'il faut que j'aille bon? Moi, j'allais tout droit, moi, parce que... C'est ça qu'il fallait faire? Si, je crois. Ouais, mais du coup, j'ai bloqué l'entrée, moi. Hop, on fait du catch. Ah, c'est facile, hein. Je crois qu'il faut trouver de l'argent. Je veux pas, j'ai coincé, c'est con, mais à chaque fois que je fais un truc, moi, ça va pas. Bon, on va faire du catch, là, parce que... Je pourrais dépenser des munitions pour des mecs aussi nuls que ça. Alors, je peux pas rentrer. Bon, génial. On va prendre les escaliers, hein, pour une fois. Salut, mon pote. Mais ouais, je suis vraiment mauvais, moi. Voilà. Petite rousse, waouh. Salut. Ça va. Bon. Bon bah voilà, j'espère que vous allez découvrir un peu le jeu si vous n'avez pas déjà vu des vidéos encore, mais enfin voilà. Vous avez vu un petit peu de mission, pas trop, ça vous spoil pas grand chose je pense. Donc vous pouvez encore acheter le jeu, il est pas cher du tout. Il y a encore un solde là sur Steam. Et pour ce qui est, franchement, ça vaut le coup. Hein. Parce que je crois que les missions ont l'air très longues. Et il y a vraiment plein de choses à faire, quoi, c'est bien. Et là, j'ai plein de... c'est con, j'ai commencé une mission et... Maintenant, généralement, les missions que je faisais jusqu'à présent, c'était... Ah, je fais du saute-mouton. C'était des missions qui nous présentaient des activités un peu, donc je pensais que ça allait être pareil. C'est ça, magnifique. Allez, attends, je vais faire pareil, là. Oh, yeah. Youpi. Génial, super, on prend un taxi. Bon, on va faire ça et puis basta, hein, parce que ça a l'air sympa, et apparemment c'est un club assez sympa. Que je n'ai jamais fréquenté malheureusement. On verra. Allez, c'est parti. Allez, on me tire dessus, genre, oh putain. Ah mais c'est la guerre quoi. Donc, petite vidéo, bon moi ce jeu il me plaît, enfin je veux dire, je suis à 100% emballé par ce jeu. Il correspond vraiment à mon style de jeu préféré, enfin voilà, c'est vraiment génial. Hop. Puis il y a plein de stats tout le temps, partout. C'est là. Sur quoi tu tires mon pote? Oh, j'aime bien les statues là. Enfin un peu haute malheureusement, enfin.
Bien foutu, hein, c'est très réaliste. Allez, on ouvre les portes. Oh, mon dieu que tu es laid. Mon dieu, qui c'est? Qu'est-ce que t'as déguisé là? Bon, je suppose que c'est par là. Ouais, bon, il n'y a pas grand monde. Hein. Ils ont des choses unexpected. T'aimes ça, hein? C'est bon, t'es content là? Bon. Y'a pas un client là? Oh, y'a des cages. Ah, c'est vraiment sympa l'ambiance, hein. Je ne saurais pas trop dire parce que je ne suis pas forcément très au courant, je dois dire, mais enfin. J'aime bien tes bottes. Je ne connais pas trop non plus, mais bon, je crois qu'il est là. Ouais. Ah, j'ai moyen d'interroger. T'es mignonne toi par contre. Là, je m'en fous de toi, et là où je te lance. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? On se demande à quoi ça peut bien servir. C'est vraiment énorme! Qu'est-ce qu'on peut bien en faire, je veux dire? C'est beaucoup trop gros, enfin. Alors. Oh putain. Tiens, hop. Eh hey, mais... Qu'est-ce qu'il me veut la grosse avec sa grosse batte? Qu'est-ce que tu me veux toi? Voilà. Et hop, je te lance. Voilà. Oh putain. Et s'en occuper, c'est bon. On va te garder toi parce que tu marches comme un canard, c'est marrant. Regardez ça, t'es sympa toi. Allez hop. Il y a des caves et tout, c'est vraiment sympa. Y'a pas des gens qui travaillent ici non? Des chinois, quelque chose. Voilà, voilà, donc on finit ça et après basta parce que j'ai pas de choses à faire. Qui c'est lui? C'est des clients certainement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est une calèche. Ah, pony cart, bon. Ah non, je vais les tuer. Bon, attends. C'est génial. Bon, c'est aussi une manière de conduire, je veux dire. C'est économique, quoi. On va tuer le cheval, là, parce que... Ah, ça explose, ces choses-là? Bon. Tu cours vite, mon gars, c'est bien. Some elaborate setup for a gang bang. Why you gotta put that image in my head, bro? Oh, I'll go with rescue then. I would shake your hands, but them floors were a little sticky, if you know what I'm saying. Du tout. I'm good. Find a moist towel or something. What's up? Found the guy he was talking about. Voilà, voilà. Donc, est-ce que ce jeu vous achèterez? Moi, je vous dis à votre place, j'achèterai tout de suite. J'ai un nouveau copain. Voilà. Donc, je vous dis merci. Attends, j'ai lancé une grenade. Voilà, une deuxième. Qu'est-ce que ça? Voilà, c'est la première fois que j'utilisais ce truc-là. Je crois que je me suis suicidé. Bon, bah là-dessus, je vous dis à plus tard les enfants, et prochaine vidéo quand je pourrai. Bye-bye.